Re-YouTube. Je viens de raconter une bêtise en live. Vous manquez ça, hein, YouTube, à chaque fois. Hein. Si vous étiez sur le live... mes conneries, vous les auriez aussi. Hein. Franchement, venez. Venez sur le live, c'est vachement plus rigolo. Est-ce que vous pensez que les vilains, ils sont revenus? Parce que dans... Ah ouais, non, ils sont là. Ouais. Ah ouais, ils sont là. Bah lui il m'a vu plein de balles. Hein. D'accord. Et c'est normal que j'ai plus que des corrompus là partout? Ou où il y a un bug dans le jeu là? Oh là là, à côté. Dommage. Merde. Y'a quoi à côté? Je sais pas. C'est quoi ça? Ah, c'est un char! Petite musique triste là. Bah, effectivement, on arrive dans un coin où... où la civilisation est un peu morte quoi. Et bah des bisous, patatarte. Merci d'être passé, merci d'être resté du coup. Mais promis, promis bientôt, je refais des jeux que tu as envie de regarder. Enfin, que t'as envie de regarder sans te faire spoiler, quoi. C'est une fleur que je venais chercher ici? Ah bah oui, c'était une fleur. Bah voilà, une fleur de plus. Dans 40 heures. Mais non, tellement pas... Tellement pas, dans beaucoup plus que ça. à la vitesse où je vais. Tu m'aideras, petite plante. Quoi?
Il y a vraiment une bataille en fait. Hein. J'avais pas fait gaffe la première fois, mais les chars d'assaut là et tout. Il y a eu une grosse bataille en fait dans cette ville quoi. Parfait pour un remède traditionnel. Qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord, c'est juste des fleurs avec la lumière derrière, ok. Ça ressemblait à un truc technologique. Mais en fait, pas du tout. Raton. C'est dur, mais j'ai l'habitude. Hausse de raton, c'est ce qu'il me fallait ou pas? Do you remember? Écailles de poisson, peau de sanglier. C'est une peau de raton à laveur qu'il me faut. Ouais, prends pas ces flèches là, mais je prends mes flèches à 150 balles. Ah! La couleur m'interpelle. Écailles de poisson. Écailles de poisson. Hop là! Ça c'est fait. Ah bah si tu continues à faire le complétiste, ouais, bah oui, non mais évidemment. Non mais en plus c'est vachement bien quoi. Le complétionniste, oh, attends, je sais plus dire. C'est parce que je le connais un peu ce mot là, vu que j'utilise souvent. Mais oui, non, évidemment, évidemment, non mais c'est là, ça se fait tellement facilement en fait dans le jeu quoi. C'est ça, t'as tellement envie de continuer. Mais regardez les ratons, la vitesse à laquelle ils vont quoi. Alors, le point de vue, il va être où? Il va être là. Donc ça veut dire que là, je peux monter. Quelque part sur cet immeuble, il y a un truc pour monter quoi. Vu. Bon, vraiment pas vu. Donc ça va être où? Où que c'est pour monter? Ah tiens, il y a un truc là planqué en plus d'ailleurs. J'ai pas vu. Voilà. Ah, ça va sûrement être là. Banco. Allez, on monte. Tu dis que tu sais pas lire. Mais as-tu seulement un jour? Mais tu dis que tu sais pas lire, mais as-tu seulement un jour?
Ah, tu sues seulement, genre. Ah merde! Mais merde, mais non, mais Arrêtez. C'est juste que j'ai pas le temps de lire vos conneries, c'est tout. C'est de votre faute en fait. Le saviez-vous? C'est de votre faute. Ah, si je tombe, je vais pas kiffer. Hein. Un truc hein. Ça devait être un stade en fait. Vu la forme du truc, ça devait être un stade, l'anneau de métal là. C'est un peu à l'écart de la ville et tout. Ça devait être un stade de sport, j'imagine. On va aller là. Ou alors on va aller là et on va débloquer celui-là, remarque. On pourrait hein. Aller là et débloquer là et là. Après, il y a la zone corrompue à faire. Vas-y. Putain, vous êtes méchant avec moi. Je sais lire. J'ai appris, du moins. Mais après, c'est est-ce que je me donne le temps de tout lire correctement. Et là, la réponse est non. C'est là le problème. C'est là que ça pêche. Ah mais regardez, encore un char là. Attention en bas. Des grands fronts, c'est bien pour eux. Je suis ravi pour eux. Et moi, j'ai juste envie d'aller récupérer mon feu. Mais prends ça. Prends la bourbranche. Hop. Là, il y a des veilleurs là-bas. Là, j'ai des petits sangliers. Et maintenant, on va aller par là. Pourquoi il y a une petite musique mignonne là maintenant? Oh là là. Et j'ai écouté l'OST. Il y a l'OST qui est dispo du jeu sur Spotify. Et je crois qu'il y a 4 heures de musique, un truc dans le genre. C'est assez ouf quand même. Hein. Oula, il y a Rabia qui... Il y a Rabia qui s'est fait peur. Il y a Rabia qui s'est réveillée, je crois qu'elle a fait un rêve. Elle s'est réveillée en sursaut et elle m'a fait peur aussi en se faisant peur. Ça va mon chat? Oui. Il est tout seul là? Ah non, ils sont deux. C'est bien parce que je vais pouvoir leur casser la gueule d'en haut en fait.
t'ai trouvé. Me dis pas qu'il va monter. Il glisse. Ah, il le nul. Il glisse. Aïe, monte un peu. Oh les connards. Aïe. Ça, c'est bon. Continue à avancer. Attends, des pots de sanglier, il m'en faut. Faudrait que je regarde un... Je sais pas s'il y a des speedruns du jeu. Faudrait que je me regarde un speedrun, ça doit être intéressant. Les os de sanglier, ça je m'en fous. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a des charognards. Des coureuses corrompues. Si je reste là-haut, je suis plutôt pas mal, non? Les charognards, faut que je fasse gaffe parce que si je fais du bruit, elles vont se pointer. Il vaudrait mieux que je les élimine avant. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, la charognarde se pose des questions. Se dit qu'est-ce qui est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé, mon copain ? Du coup. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est tellement crado.
Et merde. Non mais arrête. Oh là là. Le truc a fait complètement le tour quoi. Toi casse-toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est les autres. C'est les autres qui sont derrière qui s'énervent. Ouais, c'est super, je me suis bien fait attaquer là. J'ai bien eu mal. Parfait, ils repartent. Ah 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 ah, regardez. Regardez. Ça fait mal ça hein. Regardez, ça fuit du coup. Il fuit là-bas. Je suis tellement déçu. Tellement déçu par leur comportement là. Vous avez vu ça? J'ai éclaté leur copain. Et donc du coup tout le monde se barre quoi. C'est nul. Est-ce que je peux les avoir d'ici par contre? Ah ouais. Ah ouais. Ah, une flèche. Hein. Une flèche au bon endroit, malgré le fait qu'il soit corrompu et donc plus résistant. Merde. Je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir. J'aime bien quand on dit ça sur un ton un peu grave. Je peux m'en sortir. Et là par exemple, hop, hop. Et de 1. Et des dés. Je dis pas qu'il se pointe. Ah non, il reste juste en bas. Il reste juste en bas comme deux gros nuls. Allez, nul. Hop, regarde. Ah merde. Super. Hein. Génial. Hein. Je mets tout à côté. Voilà. Impec. Et 5000 points d'XP. Ce qui est évidemment toujours bon à prendre. Ça fait un bruit de métal dans le coin là. C'est quoi que je cherchais ici? Ah, un point de vue. Ok.
Ah bah il est là. Regardez, il est à gauche. C'est joli dans le coin là. C'est des galopeurs en face, ok. Hop hop hop. Regardez dans le passé avec mon focus. Vas-y, regarde. Pèlerinage apocalymerdique jour 5. Ah voilà, c'était un stade. Les essaims mornes jouaient avec Turtle Smash le jour de mon overdose. Enfin, selon le rapport de police, j'avais 15 ans. Quand je me suis réveillé deux jours plus tard à l'hosto. Putain, il vit un peu raide lui, hein. J'ai d'abord vu ton visage. Ok. Vit un peu raide le gars quand même, j'ai l'impression, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné ? Oh, les boîtes à trésors, je les ai pas vidées depuis un moment là. Voilà. Et dans l'artisanat. Je peux pas encore faire. Ok, ça marche. Ouais, non, faut que je remonte. Allez, test étudiant en plus. Les tests étudiants, faudrait que j'en... Faudrait que je récupère un cœur de test étudiant. Il y a une arme, je crois. Il y a une arme ou une tenue que j'ai pas. Parce qu'il me faut. Il me faut ce qu'il faut. Voilà, site de galopeur. Hop, ça a été trouvé, c'est parfait. Donc bah vas-y, faut que j'y aille. Hein. Je vais plutôt faire le tour par là. Ouais bah autant retourner ici quoi. Merde. Ah merde! Putain, ils étaient plusieurs. Il y avait plus que ce que je croyais. Genre, il m'a sauté dessus, lui! Quel bourrin. Ah, je suis vraiment un gros bourrin, hein, c'est ouf. Hein. Et je commence à être bon au bourrinage en fait, c'est ça le truc. C'est effectivement, je suis un gros bourrin. Mais je comprends de plus en plus comment bourriner dans le jeu, quoi. Il y a des fois, j'essaie d'y aller en sneaky et voilà, il me trouve.
J'y peux rien moi s'ils me trouvent les... Ouais, ça sentait le raton ça. Le petit bruit là, c'était un raton. Je vais mettre ça de côté. Il y a un petit lapinou juste à côté de moi quoi. Viens me voir. Viens me chercher. Il est un peu con lui. Les étudiants ils sont là-bas. Là il y a une méga caisse. Oh le con. Voilà, juste ferme ta gueule. J'arrive à en pirater un quoi. Rejoana. Où j'arrive à en pirater un. Et après elle va aller casser la gueule à ses potes. Le combat de méca là. Quoi? Il y en a vers derrière. Ils étaient combien? Ils étaient 4. On peut faire tomber la caisse en fait. Ouais voilà. Cœur. Cœur de veilleur, merde. Cœur. Non, une bobine. Des éclats de métal. Dommage. Lentille de galopeur.
Ou alors t'as fait ta commande du coup ou pas Johanna? Yes. Et tu vas l'avoir direct ou faut que t'attendes une livraison ou un truc dans le genre Attendez-moi là, il est où? Il est là-bas le feu de camp. Ok, le feu de camp, il est bon. Ce sera prêt dans 10 jours, d'accord, ok. Donc le feu de camp là, il est allumé. Et ben on va continuer. Hein. Moi qui aime voyager léger. Ok. Qu'est-ce que je fais? Attendez, c'est ça que je... Oui. Oui, c'est vers là que je vais. Ah, c'est plutôt par là, ouais. Ok. Ils sont où? Ah, il y a tellement d'animaux. Animaux everywhere. Et en plus, il y a des... Il y a des sangliers, et moi je recherche du sanglier là pour l'instant. Par contre les sangliers ils me filent pas les ressources que je veux quoi. Ça c'est bien dommage. Ah bon, ça apaisera ma faim. Là, il y a un bébé renard. Désolé, bébé renard. Je vais devoir abandonner autre chose. Oui, ça veut dire que j'en ai assez en fait. Si. Ah! Un feu de camp et un marchand. Cette lumière là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de lumière? Ceux-là ils étaient pas prévenus hein. Prévus. Bref quelque chose quoi.
prends la prudence. Non, faut absolument que je l'ai. Faut absolument que je l'ai. Faut que je vire quelque chose. Ça. Hop, voilà. Puisque du coup, artisanat. Voilà. Yes. Et donc, il me reste une peau de raton à avoir. Il me reste une peau de raton. Quand j'aurai ma peau de raton, j'aurai toutes les upgrades. Enfin, du moins les upgrades de contenant. Il est où le feu de camp? Il est en face. Ah! Là j'ai quoi? J'ai juste des veilleurs à la con. Descente rapide. Ça me fait trop rire. Allez! Feu de camp, un petit marchand. Yes. Toi, je vais pouvoir te vendre des trucs. Je vais pouvoir te vendre des trucs. Genre ça. Ça, je te le vends. Ça, genre ça, je te le vends aussi. Waouh, j'ai fait trop de place dans mon inventaire. Trop bien. Non, mais genre ça aussi. Ok, bon bah voilà. Ça c'est pareil, vas-y. Vends-moi tout ça. Je veux plus rien. Je veux plus rien. Ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai. Le truc de crasher, je l'ai pas. Ça, j'ai tout acheté. Mon échantillon gratuit, évidemment. Ok. Et maintenant, je continue à monter. Ah, il y a encore un feu de camp ici. Bon, on va essayer de s'en rapprocher pour... l'activer.
Ouais, c'est un peu loin. Oh, il y a des piafs. Je garde ça pour plus tard. Il y a encore des chars ici. Mais pas les piafs, s'il vous plaît, quoi. Par pitié, quoi. T'as dû bien avancer depuis ce matin, non ? Depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai avancé pas mal dans la quête principale, ouais. J'ai fait les quêtes principales. Donc maintenant, faut que j'aille... Attends, je peux te montrer de toute façon. Quête principale, tu vois. Faut que... La fin du créateur, donc faut que j'aille... Il y a une femme qui me ressemble, qu'on pense ma mère. Il faudrait que j'aille voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a une cité antique qui est tout au nord. Et il faut que j'aille au Belvédère parce que il y a Ersa qui a été enlevée. Alors Ersa justement, tu vois, elle a été enlevée. Enfin, on pense qu'elle est vivante. Et là, il faut que j'aille... faut que j'aille rencontrer l'agent de marade là. C'est une grosse marade, je sais plus où il est. Mais là, évidemment, comme d'habitude, eh ben, je fais des quêtes secondaires parce que... Non. Ah, les piafs. En plus, là, si j'ai les piafs, il y a tous ceux d'en face là qui rappliquent. Mais il y en a partout. Les quêtes sont guère, sont globalement c'est le bien. Y'a pas trop de quêtes fédérales. Du FedEx, ouais, j'en ai même pas eu quoi. Enfin, tu vois, les trucs. Va chercher ça et puis tu le ramènes. Justement, en fait, les. Je vais garder ça pour la route. Ouais, y'a des cornfilandes qui sont déjà fait casser la gueule là. Il y en a combien surtout ? T'as déjà fait la quête de la carrière ? Ouais. Enfin, c'est un creuset la carrière. Enfin, si tu parles de ça, oui. Si tu parles du creuset. Salut les potes. Non, pas le creuser. Je vois pas du coup. Je vois pas à quoi tu fais référence du coup. Ah oui, si dans une carrière, si où ils sont en train de déterrer, les robots et les ramener à la vie, c'est ça ? Oui, celle-là je l'ai faite avec Olin. Ah non, bah non, bon bah non alors. Moi j'ai fait celle avec Olin en fait. Oui, il déterre et... Olin il est déterre.
Mais celle-là est sympa aussi, tu découvres un monstre assez chiant. Du reste... Ah, c'est ce dont il me parle, ça s'appelle comment? Ils m'en ont parlé justement dans la quête là. Qu'ils allaient... Il y avait un monstre, le porte-mort? Non, le... Non. Ouais, le porte-mort je crois, non? Je suis pas sûr. Ouais, ok. Bah, et on en parle justement dans la quête avec Colin. Ils le disent. Merde. Ils en parlent des portes morts. J'ai été soft avec lui. Je lui ai dit d'aller retrouver sa femme et d'arrêter de me casser les couilles. Et je lui ai dit d'être gentil et de revivre une vie sympa. Donc ouais, j'ai été full bon avec lui. Et même pendant le combat, quand on a attaqué les vilains là, je lui ai dit t'emmerde pas, tu me laisses faire. Donc même là, il a rien eu à faire. il a même pas eu à aider pour sauver sa meuf quoi. Donc je pense que j'ai été sympa. Hey, salut Season. Salut, bienvenue à tout le monde. J'ai récupéré un artefact. Coucou Season et coucou les viewers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Et moi, voilà, salut Chou. Et moi, voilà, je suis sur Horizon depuis 9h15. Voilà, ça fait 9h15 de live. Hein. Easy. Franchement, ça se fait bien. Il hein. Y a un petit feu de camp là-haut. Et j'espère que du coup ton live... Pourquoi je peux pas y aller? Faut que je saute comme ça, comme un con? Ah oui. Quel fou. Ah ouais, non mais le jeu, il est génial. Hein. J'y peux rien. J'y peux rien, c'est le jeu qui est bien. Je viens de voir, en stoppant le live, je me suis fait bot follow. Ah merde. Combien de follow en plus? Combien? C'est sûrement le camp Banouk dont Vilgund m'a parlé. Je pense aussi. Il demande ce que sont devenus les autres mercenaires qu'il a envoyés. Mais ouais, mais en fait ils sont gentils, regardez. Les machines sont dociles. Bah ouais. C'est comme si elles avaient déjà été piratées. Je suis d'accord, quand j'ai commencé, c'était dur de m'arrêter. Ah ouais, non, le jeu me hype tellement. Alors, en plus, je le fais vraiment que en live. Et il y a des fois, je me dis merde, j'ai envie de me faire une petite session. Et en fait, non, je me dis bon, je le fais en live, je le fais en live quoi. 20 follow, ça va, mais ça me confond. Oui, non, c'est clair que c'est un peu chiant. Oh, le froid me picote. Et mais ouais, non, le jeu, je suis tellement hype par le jeu quoi. J'ai vraiment envie de faire que ça. Mais bon, là, je pense que là, je vais encore jouer une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis après, je vais m'arrêter quand même parce que je pense 10 heures de live, je pense que bon, ça va aller. Hein. Je pense que vous m'avez assez vu aujourd'hui, quoi. Je vais manger, je vais continuer à écouter. Et bah, merci encore pour le raid, Season. Et puis, bah, mange bien, du coup. Elle doit être particulièrement courageuse pour s'aventurer toute seule si loin de son territoire. Bah ouais. Et ouais, je suis courageuse. Vous allez faire quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, puis je suis fou. Enfin, c'est... En fait, le jeu est vraiment infini, quoi, parce que... Hein... T'essaies de faire un peu la quête principale et finalement tu te retrouves à faire 12 quêtes secondaires pour la quête principale. Et ça en finit juste pas quoi. Mais les quêtes sont cool, enfin je... Il y a des trucs partout, non mais c'est ça, il y a des trucs partout quoi. Mais il y a des trucs cool partout en fait. C'est ça, si c'était des quêtes à la con, où finalement tu t'emmerdes et... Petite charognière, je vais pouvoir virer ça. Mais en fait non, les quêtes sont cool quoi. Tiens, ça te fait rire, devine ce qu'a fait ton filleul au moment de souffler les bougies. Son gâteau d'anniversaire. Il a foutu les mains sur les bougies.
Non, il a littéralement bavé sur le gâteau. Ah! Ah! D'accord, bah j'espère qu'il était bon, hein. J'espère qu'il était bon. Non mais comment faire? Comment faire pour avoir le gâteau rien que pour lui, quoi? Par contre, ouais, tout à l'heure, tu m'as pas répondu, mais c'est bien demain son anniversaire, on est d'accord? Les combats contre les gros monstres sont super stylés. Les zones à cibler qui ont un réel impact sur les capacités du monstre. Ouais, non, puis le fait qu'on puisse récupérer les armes qui tombent du monstre pour les utiliser contre eux. Enfin, non, mais le jeu est franchement ouf, quoi. J'aimerais bien l'avoir tiré. Oui. Un gâteau avec des fraises, et oui, d'accord. On l'a fait aujourd'hui parce que plus simple niveau logistique. Ok, ça marche. Bon, tant mieux, j'ai pas oublié. Tu feras un petit message vidéo demain. Il pourra baver sur le message vidéo. Ouais, c'est bien, je suis arrivé là, mais là, je fais quoi, là? Bah, déjà, je vais sauvegarder, déjà. Ce serait franchement pas une connerie. Flèche rapide et lame tranchante. Parce que j'ai clairement pas envie de tout me retaper la grimpette, là. Par contre, j'ai bien envie de les dépouiller. Par contre, ouais. C'est ça qui est rigolo dans le jeu, c'est qu'on les dépouille à chaque fois qu'on arrive dans une ville. Il y a personne qui dit quoi que ce soit, hein. Je suis mort moi, je me cale dans le canapé et je bouge plus. Va peut-être falloir manger un petit peu quand même. Sauf si évidemment le gâteau t'a rassasié. C'est par là que les Banouk doivent monter et descendre de la montagne. Dirigeons-nous vers le nord pour suivre l'appel du froid et de la glace. Par là qui? Quoi? Ah c'est là, regardez c'est là. J'ai vu, vu. Ils ont pitié de toi. Peut-être un peu. Bah non parce que vu comment mon inventaire est rempli genre tout le temps et que je suis obligé de le vider à chaque fois, franchement non, je manque pas de ressources. Hein. Il y a un moment là où quand même je galère un peu. Je galère un peu sur la vie. Faut l'avouer. Et dire que les Banouk vivent encore plus au nord. Bah ma cocotte, tu grimpes là hein, mine de rien. Hein. Pratiquement les terres sacrées. Elle me manque. Ça doit faire mal au bras par contre. Donc les Banouk. Ah ouais! Ah ouais! Sympa! Ça a de la gueule. Ah oui, ça a de la gueule. Hein. Vu ta manière discrète de jouer, une armure aux armes, te conviendrait peut-être plus. Bah, c'est ce que j'ai, non? C'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que j'ai d'équipé. Ah non, j'ai la Nora lourd. Ça me donne un bonus en attaque, non? Parce que la Océram, je l'ai aussi. Hein. Ah, j'ai le brise-flèche. Du coup, je sais pas. Non, ce sont que des bonus de défense, les armures normalement. Ah, bah donc j'en prends moins. Je prends moins cher. Je prends moins cher dans la tête avec ça, non? Paisible. Bonne nouvelle, j'imagine.
Ouais, des étincelles paisibles, plutôt rares. Hein. Faut en profiter. Hein. Oh, regardez, il y a le... Oh là là, mais... Il y a le ciel, il y a le soleil qui se lève. C'est beau, c'est beau. Ce jeu, tout me plaît. C'est Vilgun qui t'envoie. La conscience s'achète apparemment. On s'en fiche. Jeune Nord, tu dois arrêter les autres. Plus loin, on est monté ici, on a trouvé un genre d'appareil ancien. Aucun doute, c'est bien ça qui modifie le comportement des machines. Les autres apprêtures voulaient l'emmener à Belvédère pour le vendre. Mais il était déjà cabossé. Comme s'il était tombé du ciel. On a essayé de les empêcher de l'extraire. Sans cette chose ici, ces Banouks vont se faire massacrer. Je vais les arrêter. Fichez le camp d'ici. Vous avez fait suffisamment de dégâts comme ça. Tu n'as pas tort. Disons que toutes les armures en fonction de ce que... Attends. Disons que toutes les armures en fonction de ce que tu combats. Certaines armures ont des résistances élémentaires, d'autres physiques. Ouais, non, parce que j'ai cru comprendre, quoi, mais... Qui es-tu? T'es pas une de ces Banouks? Oh, trop tard. Laissez-moi regarder. Attends un peu. Ce truc est à nous. On l'a chopé. Pourquoi tu le voudrais? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Je sais pas quoi penser. C'était ton idée. T'as commencé, t'as qu'à finir. Ok. C'est peut-être juste de la camelote. Mais on peut le vendre pour les pièces. Je te repose la question. Pourquoi tu le veux? Ça a plus de valeur pour moi que vos vies. Vous voulez toujours négocier? Laisse tomber. Tout ce que l'Est m'a donné, c'est des engelures. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ah, c'est l'artefact qui calmait les... Toutes les armures sont bien en fonction de ce que tu combats, ouais. Ok. En fait, c'est un artefact qui calme les... Un processeur de conception avancée. Critique. Très endommagé. On va prendre mon code jeune. Compu d'attendre il y a environ 20 ans. Et il envoie un signal depuis tout ce temps, de plus en plus faible. Je dois retourner au camp, avant que les machines ne le détruisent. Y'a rien d'autre ici? A priori non. Et donc ouais, c'est un truc qui envoie un signal et qui les... du coup les robots ils sont gentils. De ce que je comprends. Petite sauvegarde quand même, pas déconner. Hein. Let's go! Non, elles ont commencé à attaquer. Ah bah non, hein! Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Oh, ils ont l'air vénères en plus! Ça va. Acéréré, des rats, des rats. C'est ça qu'elle veut dire? La chanson acérée? C'est la chanson acéréré? C'est la SketchUp? Ils connaissent la SketchUp? C'est trop bien. La chasse reprend. Allez. Aïe, ça fait tomber. Rugis et attaque-moi. Je n'ai pas peur. Allez, il a plus de protection, là on y va.
tu vas entendre ma chanson maintenant. Et elle est affairée. Ah, j'ai plus de munitions, c'est pour ça que je peux pas tirer. Quel génie. Il s'en va. T'as vu, il s'en va. Il a peur. Ce n'était qu'un effet secondaire. Hop. Il va être de moins bonne humeur. Tire ravageur là. Il y a de quoi se réjouir. Celle dont il se pose est bien contre les attaques de mêlée avant en fonction de ce que touche le plus, le jeu dirait. Moi c'est le froid. Moi c'est quand il y a les piou-piou qui me tabassent avec le froid. C'est ça qui me touche le plus. Tout le temps. C'est ça contre lequel j'ai le plus de mal. Nora, savais-tu que ce changement allait arriver? Non, pas tout à fait. Mais je sais que beaucoup de choses changent dans le monde. Là, c'était les étrangers. Ces Oseram pensaient... Les Oseram ne pensent pas. Ils ne comprendront jamais l'équilibre entre nous, entre l'homme. Et la ah, il a des piercings chelous. La lumière bleue a disparu. Il nous reste de nombreux chants. Des chants de lamentation et non de gratitude. Et maintenant? Banouk, dans ce cas? Tu vas retourner là d'où tu viens? Lorsque nous enseignons aux petits à marcher sur la glace, nous leur disons... Le secret, c'est de faire un pas, puis un autre. Oh, mais il a des trucs dans la peau. Peut-être qu'un jour... Nous comprendrons le mystère des machines. Je l'espère. Bonne chance, Tiki. T'es un Banouk. Tu nous fais les mêmes? Ah non, bah non, non, non. Ah non, non, non. Ah non. Non, non. Attends que je réfléchisse 2 secondes. Non, non. Ah bah non. Non, bah non. Alors... Là y'a là, là y'a là... Petite fleur là en haut. J'en suis où dans les objets à collectionner? Oh les tasses quoi. Oh les tasses, je suis dégoûté hein. Sur les tasses. Et donc là, faudrait que je retourne où? Voir machin en ville, ouais, ok. Est-ce que j'essaye d'aller en face, là? Choper la fleur de métal. Et de remonter jusqu'à là pour avoir le point de sauvegarde direct. Pendant que je suis dedans. Ça peut ne pas être déconnant. Hein. J'ai 2 points de compétence, est-ce que je peux les... Non, c'est 3 qu'il me faut. Hein. Ouais, j'ai envie de... Ouais, je veux le renversement, donc... Et donc, tu me disais plutôt Banouk. Banouk. Parce qu'ils font quoi? Chasseuse Banouk lourd. Ah, résistance contre le froid, ouais. Mais en même temps, c'est que quand il y a les piou-piou, quoi. Quand tu combats les piaf, ouais, quoi. Et en plus, si je suis pas trop con, je peux mettre une résistance au froid, non? Genre voilà quoi. genre sans de résistance au froid là. Ça peut être maintenu, ouais. C'est un peu le souci du jeu de proposer des armures sympas, mais contextuelles, mais difficiles à switcher. Il se passe jamais rien ici. Attendez.
peut pas le taper lui. Oh! Oh! C'est lourd mais puissant. Je vais descendre avec hein. Tout simplement. C'est loin quand même. Oh, il y a les étincelles. Oh, je vais défoncer les étincelles. Vas-y, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de défoncer les étincelles avec ça. Hein. Les étincelles, tellement pire ennemi tout le temps. Tu vois, là, on éclatait 12 000. Avec ça, ça va me faire tellement plaisir. Je peux pas passer à travers. Hein. Ah, ça se trouve, je peux passer à travers, là. Ouais, du coup, j'ai pas dégagé les étincelles quoi. Pour ça que je m'embête pas, je fais tout le jeu avec l'armure furtive noire. Hein. Ouais, mais tu sais, moi, t'as dû voir. Hein. T'as dû voir que la furtivité, bon. Oh. Oh, pas le temps, hein. Mais ouais, on peut passer à travers. Oh là là, trop bien. Si Otto était là, il dirait alors, y a pas de disjoncteur là sur leur truc? Pourquoi ça fait des courts-circuits comme ça là? Là j'arrive direct sur le marchand quoi. Vite. Il n'y a rien dans le coin là. Pourquoi le marchand, je le trouve pas? Ça y est, je l'ai trouvé. Vas-y, fais-moi plaisir, mon échantillon, merci. Bisous. Je m'en vais. J'étais un peu fâché contre Fortuno tout à l'heure. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe! J'avais pas vu qu'il y a des charognardes. Ça coûte très cher. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai bien défoncé les autres. Hein. J'ai bien défoncé tout le monde. Hein. J'ai besoin d'augmenter temporairement mon plafond de paiement. L'application a rejeté ma demande sans explication. Ah. Allez, bouffe ça. C'est qui?
Qui là-bas? C'est qui a eu peur? On peut marcher sur la glace là? Aïe aïe. Et donc ici nous avons une fleur dans le coin. Bien, elle est là. Qui a créé ces fleurs? Et pourquoi? Je sais pas. Oh, regardez, ils font caca. Ils font tous caca. Tous en même temps. Eh, c'est beau hein, d'être copain à ce point-là, franchement. Bon, vous êtes tellement amis avec vos potes que vous décidez de faire caca. Tous en même temps. Pour vous faire buter. Franchement. Bon plan. Hein. Vraiment les gars. Votre plan s'est déroulé sans accroc. Moi je dis qu'elle sait pas correctement dépecer les animaux mécaniques vu toutes les pièces de qualité qu'elle laisse derrière elle, c'est clair. Mais en même temps je pense que c'est une question de temps quoi, elle a pas le temps. Elle a pas le temps, son esprit glisse ailleurs. Bon j'ai même eu ma petite fleur donc je suis content. Je suis content, c'est quoi ça? Il y a une cave encore. Ah mais regarde, il y a les chars qui montent, donc les chars sont sûrement des créations humaines et qui viennent casser la gueule d'un robot géant là, un robot géant mecha. Et avant c'était une route, regardez parce qu'il y a un lampadaire. La neige est glacée par ici. Donc avant c'était une route ça. Et le robot géant mecha, il est coincé dans la glace. Bunker, le nécrophile. Nécrophile indien? C'est le truc pour les gelures? Ça correspondrait, hein, vu qu'on est... Ça doit être le passage dont m'a parlé Otto. On est dans le froid. Surplombé par le territoire Banouk. On est dans le froid, donc c'est sûrement nécrophile indien, quoi. Comment on y rentre là dans la grotte là? Et est-ce que j'ai envie d'y rentrer en fait? C'est comment on y rentre? De la glace. Je peux pas passer par là. Il y a 2-3 détails de cohérence qui me chagrinent, tu peux pas y rentrer pour l'instant. Qu'elle vient de me dire en fait. Je pensais juste qu'elle était pas douée mais... Elle saute! Vas-y Aloy. Tu peux le faire. Je vais me soigner pendant que j'y suis là.
Ça va, c'est plus très très haut. Il me fait un peu peur quand même le robot géant là. Je vous avoue que je suis pas super rassuré. Hein. Si c'est ça qu'on doit affronter à la fin, moi je veux pas voir la fin du jeu. Hein. Quoi ? Ah oui, d'accord. Eh ben, quel bordel! Oh là, j'ai failli tomber, j'ai failli. Donc là, c'est le contenu du DLC, en fait, j'imagine. Le Frozen Wilds. Je garde ça pour la route. J'imagine que c'est du DLC, quoi. Bon, il y aura sûrement... chaleur émanée de lui. Démoniaque ? Comment ça, démoniaque ? J'ai pas pris les bonnes, si. Attendez. Oh mais merde, mais merde. Fuck. Mais c'est ouf.
Ah, tu vas beaucoup moins ici. Le niveau du DLC est calé pour les personnages et termine l'aventure de base de mémoire. Tu vas sévèrement te spoiler un personnage que tu n'as pas encore rencontré. Bah, je veux juste arriver en haut en fait. Tu vois, je veux juste arriver en haut. Il va sûrement y avoir un. Après, je vais pas aller plus loin. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que là, ouais, clairement, je viens de voir en fait que j'ai pas le niveau. Hein. Je viens de voir clairement que j'ai pas le niveau pour aller là. Donc, on va juste débloquer le fait d'être en haut. Et puis après on va redescendre. C'est chaud hein. Petit truc démoniaque là. J'ai plus de place. On s'en fout, c'est un piège électrique, on s'en fout. Des chèvres. Je dois me préparer. Il y a des chèvres dans le jeu. Ok, c'est un accueil comme un autre. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Ils m'ont vu par contre. Ça, ils m'ont full vu. Hein. Sont belles ces grottes. Ha ! Vous êtes sûr d'avoir assez chaud là-haut, Nora ? L'escalade m'a bien fait transpirer. Bon, ils ont l'air quand même assez cool. Ils me taunent un petit peu là, mais ils ont l'air cool. Vous êtes arrivée à la plaie, étrangère. Pense au soleil d'été, vous n'y resterez pas. À la brise, dans les arbres. Ah ouais, j'aime. Je voudrais un feu de camp là, c'est possible ou pas? Pourquoi il y a le Mordor? Pourquoi il y a le Mordor en face? De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi? Comment faire confiance au chef quand tant de chasseurs sont morts sous ses ordres? La fumée de la montagne s'épaissit aujourd'hui. C'est mauvais signe pour le rituel. Faites confiance à Ouria. Elle. Ah, c'est bon, regardez. Feu de camp. Pourtant, on attend toujours.
que le chant des disparus retentisse. J'ai tué une chèvre, hein, je sais pas qui c'était. Événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Moi je veux juste regarder. Ah là, regardez. Là. Hop. Et j'y vais pas. Et j'y vais pas. Je saurais pas ce qui se passe. On verra plus tard parce que ouais non clairement j'ai pas le niveau. Mais au moins c'est ouvert quoi. Au moins j'aurais pas à tout me retaper la montée là pour y aller quoi. Déjà c'est une... C'est une bonne chose. Faut que je retourne voir Vilgund. Il est où Vilgund? Qui a déjà accès du coup, sympa. Je suis pas sûr. J'ai lu sur les internets mondiaux que pour accéder au DLC, il fallait un niveau en particulier en fait. Et je crois que c'est 40. Et je sais plus quel niveau je suis. Il y a peut-être une quête, tu vois. Enfin, il y a peut-être un PNJ qui te dit non, t'as pas le droit d'y aller tout de suite. Attention, c'est dangereux, n'y va pas. Bisous. À la prochaine, quoi. Il y a probablement un truc qui te bloque avant, quoi. Normalement, il y a un PNJ en bas qui t'empêche d'y aller. Là, t'es clairement allé à la ville. Ah bah, écoute, du coup, je sais pas. D'en faire des glissades. Étrangère, vous cherchez... Mais je connais ce visage. Putain, mais le mec... Alors, tu es rentré? Il a moins de mémoire que moi. Raconte-moi tout. C'était compliqué. J'aurais dû parier là-dessus. Les machines dociles, c'est dur à expliquer, mais c'est un signal qui les apaisait. Tes hommes étaient cupides, alors ils l'ont pris. Les paris paient rarement. J'aurais dû être marchand d'armes. Il y a toujours du boulot. Tiens, prends ça. Le reste de la paix de ces grosses brutes débiles. La moitié? J'ai fini le travail. Comment vous disiez? Assez pour une tenue plus adaptée? Qu'est-ce que tu veux? De la soie carja? Ah! Étranglé par les cordons de ma bourse. Il s'est fait avoir. Combien? 3000 en XP. Ouais, ça va. Du coup, les caquettes. Qu'est-ce qu'on a comme caquettes? Donc non, Isoquette, il y a accès. Il est équilibré pour les personnages de niveau 30 ou plus. Ok. Mais là, je pense qu'on va... Ah oui, j'ai envie de... Parce que dans les objets à collectionner, j'ai quoi? Regardez les figurines. Lost Figurines, Banoukes. Et donc, il faut que je trouve le marchand qui prend les trucs Banouk. Mais comment on sait? Attendez. Ressources de machine. Artefacts, objets divers à collectionner. Les boîtes mystères. Les réceptacles à collectionner. Les objets de chasse. Donc c'est l'un des deux ici, je pense. Elle veut quoi? Objets spéciaux? Panier sale? Elle veut un cœur de testudien pour ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un très bon DLC. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai entendu. Hein. Alors, te voilà de retour.
Tu es prête? Ah, celui-là, je peux l'avoir. Yes, je l'ai eu. Reviens me voir si... Excuse-moi, étrangère. Je... Hop. Ah bah, il y en a un pas loin. Hein. Les statuettes Banouk, il y en a pas loin, quoi. Mais, du coup... mes boîtes au trésor, là. Ça me donne quoi? Des bobines de modif. Ah, ça y est, mais j'ai mes trois là. Non, je veux le renversement. Ah oui. Ah ouais, non, mais je vais pouvoir les mettre sur le dos. Et après, j'aurai la riposte. Ah non, ça c'est nul. C'est pas la riposte que je veux. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Ah, la course silencieuse. La course silencieuse, vu comment je joue, ça pourrait être pas mal. L'attaque puissante. Ah, il y a les attaques puissantes aussi, ouais. Ah ouais. Je pense qu'on va prendre ça après. Après, on va partir sur le... ce truc-là. Mais c'est bien, j'ai eu des machins, mais... Plus 8 pour... Hein, dégâts de lance. Attends, dégâts de la lance? Mais je peux modifier ma lance? Je peux pas modifier ma lance. Je crois que je viens de comprendre que je pourrais modifier ma lance à un moment, c'est ça? Je suis étonné que t'aies pas plus investi dans l'arbre rôdeuse vu ton style de combat. La lance se modifie via l'histoire, ok, ça marche. Attends, y'a quoi dans rôdeuse? Ouais, non, tu vois, c'est des trucs... Ouais, quoi que. Oui, c'est faut attaquer au-dessus et tout. Oui, c'est vrai. Mais non. Survivante, je pense que survivante m'a quand même pas mal aidé. Hein, parce que j'ai collecté pas mal de ressources avec ça. Et brave, c'est vachement bien. Enfin, tu vois, là, regarde. Je vais pouvoir les tabasser et puis les renverser. C'est trop cool. Là, la concentration plus, tu vois, j'en ai eu besoin. Non, il est pas mal. Dans le jeu de base, ta lance a augmenté plusieurs fois via l'histoire. Ok, ça marche. Bah, pourtant, je l'ai pas encore eu. Hein. J'en suis à combien, tiens, de pourcent? Ah, j'ai fait 0,80% du du DLC. Et j'en suis à 60% à peu près du jeu de base. Ça marche. C'est cool, ça avance. Ça, c'est fait. Les zones corrompues, vas-y, non mais... boîte à trésors, j'en ai plus, là. Pourquoi il me met un point d'exclamation? Et donc du coup, ouais, je pourrais modifier ma lance, mais j'ai des trucs verts à vendre, quoi. Les bobines sont une augmentation que tu auras dans le DLC et des quêtes, n'en faut. Il y a déjà une augmentation de dégâts de lance au minimum. Ah bon? Non, moi je vends des trucs. Cœur de galopeur. Cœur de charognard. Bloc de métal. Attendez. Tire-bouchon. Bam. Tire-bouchon vendu. Là, on est bien. Les modifs. Alors, les modifs vertes, on vire. Hein. On a dit les modifs vertes, on s'en fout complètement. Nous, on veut du bleu ou du violet même. Je pourrais vendre les bleus. Hein. Regardez là, c'est quoi? Regardez ces deux-là. Regardez, ça vire. Ça, ça dégage. 29 en maniement, on vire. Bobine maniement, ça c'est du vert. Ça c'est du vert, on s'en fout. Le vert, on s'en fout. Le vert, on a dit, on vire. Hop. 7 en discrétion, c'est nul.
15 anti-corruption, c'est nul. 18 électricité. Là, j'ai 19. Voilà, t'es nul. Désolé, t'es nul. Maniement et déchirure. Bah, l'autre, il est mieux. 27 corruption. Hop, vas-y. Affaire de... On va virer des trucs. Hein. Oh, contre le feu, là. Mais regardez ça. 24, le feu, là. 23, le feu. 21, le feu. 21, le feu. On est mieux, là. On a fait la moitié. On en a la moitié. Quand t'as secouru, le père et la fille, sa lance maternelle, le père t'a modifié la lance pour ajouter... Ah oui, c'est vrai, exact. C'est exact. Il est vrai que j'ai fait ce truc-là. Je m'en rappelais pas. Donc déjà, ouais, effectivement, j'ai déjà une modif sur ma lance, c'est sûr. Non, on a les petits chanteurs à la croix de bois, là. C'est moins puissant que les bobines de dégâts directs. Bah oui, mais je peux pas en mettre alors du coup. Vu que je peux pas. Allez hop, 10h05 de live. On va s'arrêter là. Je sauvegarde. En plus, regardez, on commence à plus me voir parce que j'ai pas allumé la lumière. Mais on va s'arrêter ici. C'est déjà pas mal quand même. Allez, salut YouTube.